Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous me suivez. Si vous me suivez, faites-moi un signe. Là, je pourrais commencer avec la vidéo si vous êtes déjà connecté. Vous pouvez écrire et s'il vous plaît, éloignez vos téléphones loin de vous quand on fait le direct pour que la connexion soit plus bien, pour qu'on puisse bien s'entendre. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien, vos membres de famille et vos amis et votre entourage. Moi, de mon côté, tout se passe bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je trouve très important pour développer notre société, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions se développer. Bonsoir Prudence et bienvenue sur ce live. Nous allons changer ensemble. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui, comme sujet de notre live, on va parler de comment économiser de l'argent sans se priver. Comment faire des économies sans se priver? C'est le thème de notre live aujourd'hui. J'ai tenu à faire ce sujet, ce live, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Comment faire pour économiser sans se priver? Comment faire pour économiser en vivant toujours une vie normale sans être radin, quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé mieux de faire ce sujet en live pour que nous puissions discuter ensemble et trouver des résolutions. Alors, je vais commencer d'abord par parler de moi-même parce que je sors d'une famille nombreuse et la vie n'a pas du tout été très, très facile. Bon, je ne peux pas dire qu'on a manqué de quoi vivre, de quoi manger. Non, on n'en manquait pas. Mais moi, mon optique, j'aimais travailler, j'aimais chercher mon argent, j'aimais économiser, j'aimais toujours faire mes petits commerces pour toujours être dépendante, pour toujours subvenir à mes besoins personnels. Voilà, pendant les vacances aussi, je me débrouillais bien. Hein. Je partais souvent dans le supermarché de mon beau-frère. Et puis, je faisais le commerce là pendant les vacances. À la fin de la semaine, il me payait par semaine. Et cet argent me permettait de mettre de côté. Et voilà aussi, on avait aussi un bar où je faisais parfois les boulettes de viande avec les œufs bouillis. Et puis, je ramenais ça au bar où je donnais au barman, il déposait sur le comptoir et puis il vendait, ça me rapportait un peu d'argent, quoi. Pendant les vacances, toujours, dès que les vacances arrivaient déjà, ma mère donnait à chacun de nous une somme de 10 000 à ma petite sœur et moi. Voilà, votre capital, prenez ça et puis faites votre petit commerce avec. Bon, ce que moi je faisais, je prenais ces 10 000 là et puis je faisais les boulettes, j'achetais 2 kilos de viande, le piment et tout, je faisais des boulettes et puis j'allais déposer dans notre comptoir au bar. Et puis à la fin de la semaine, je me retrouvais parfois avec 20 000. Hein. Et puis chaque semaine, je faisais. Donc quand je faisais 2 kilos de viande, ça me ramenait le double de ce que j'ai dépensé. J'avais doublement le bénéfice, quoi. Et même quand je faisais aussi les œufs bouillis, j'avais toujours vraiment beaucoup de bénéfices et je ne dépensais pas ça n'importe comment, quoi. J'épargnais et à mon jeune âge déjà, ma mère m'avait fait un petit compte d'épargne et puis elle me disait toujours, quand tu travailles à la fin de la semaine, ton bénéfice, donne-moi ton bénéfice, je vais le mettre de côté pour pouvoir épargner ça pour toi quand tu seras plus grande, tu pourras le prendre. Alors avant de venir en Europe, j'avais déjà cette mentalité-là d'épargner, de savoir faire mes économies et tout. Donc, avant de venir en Europe, j'avais déjà une bonne somme d'argent dans mon compte.
Dans mon compte d'épargne, j'avais déjà une bonne somme d'argent parce que je travaillais, je ne me privais pas quoi, mais je savais me faire plaisir et je savais aussi chercher cet argent parce que j'avais des copines qui avaient la même somme d'argent que moi chaque semaine pour prendre le taxi, pour aller à l'école et pour rentrer. Mais ces mêmes copines-là, on nous donnait l'argent le lundi, ces mêmes copines-là, déjà le mercredi, venaient déjà m'emprunter l'argent. Pourtant, ils ont eu la même somme d'argent que moi. Par exemple, le vendredi soir, moi, je marchais souvent à pied, hein, d'une distance à une autre pour pouvoir raccourcir mon chemin et prendre le taxi à 100 francs au lieu de prendre à 200. Et ces autres 100 francs que je mettais de côté, ça me permettait vraiment d'économiser et d'épargner, quoi. Donc, il y a des semaines que je me retrouvais que j'ai gardé même 700, 800, 1000 francs sur mes 4000 qu'on me donnait par semaine pour prendre mon taxi et pour manger. Donc, ça me permettait vraiment déjà d'épargner. Je savais déjà épargner à cet âge-là, vraiment. Et puis, j'ai gardé cette mentalité-là. Après, maintenant, quand je suis venue en Europe, vous savez, ici en Europe, quand tu arrives, tout est, je ne sais pas comment dire, tout a changé, tout ton environnement, tout ce que tu as a changé. Maintenant, tu es dans un autre endroit où il te faut maintenant travailler de toi-même, dont ta vision même de la vie a changé, parce qu'il n'y a pas ton père ici, il n'y a pas ta mère ici. Et même si tu as des frères et sœurs ici, chacun a ses problèmes et puis chacun a son programme. Donc, ta mentalité change. Donc, l'Europe te fait mûrir, quoi. L'Europe te fait mûrir. Et moi, quand je suis arrivée en Europe, c'est vrai que j'étais jeune, j'habitais avec ma grande sœur. Elle s'occupait très bien de moi. Mais il y avait des petites choses toujours que je faisais aussi pour essayer de m'en sortir. Et avant de quitter le Cameroun, chaque vacances, moi, j'aimais aller, soit je travaillais à l'alimentation de mon beau-frère pendant un mois, ou soit je partais travailler, je partais apprendre à coudre, ou je partais faire la coiffure. Donc, toutes ces choses-là m'ont permis vraiment de m'améliorer. Et quand je suis arrivée en Europe, ma grande sœur, elle a beaucoup de clientes à qui elle fait les tresses. Donc, je l'aidais à terminer les bouts des cheveux, des rastas, à mettre les tissages sur la tête des femmes. Et ça m'a aussi permis de voir que la vie que j'avais au Cameroun n'est pas la même vie. Parce qu'au Cameroun, si je voulais, je faisais. Mais quand j'étais en Europe, quand je la voyais faire et puis elle était seule à le faire, donc, je m'impliquais aussi et ça m'a permis de grandir, ça m'a permis aussi d'apprendre. Ce qui fait que maintenant, moi-même, je sais me coiffer. Je n'ai plus besoin d'aller chez une coiffeuse tous les mois pour me faire les tresses parce que moi, je suis quelqu'un qui ne dure pas avec la greffe, les rastas sur la tête. Maximum 3 semaines ou un mois, je dois détacher. Ou dès que ça commence à me démanger, là, je dois détacher. Et avant, quand je suis arrivée ici en Allemagne, il n'y avait personne. Quand j'étais en Italie, c'est ma grande sœur qui me faisait les tresses. Mais quand je suis arrivée en Allemagne ici, il n'y avait personne pour me faire les tresses. Donc, j'étais obligée à chaque fois d'aller soit au salon de coiffure, soit de me débrouiller moi-même ou soit de mettre mes perruques. Mais après, je dis, je pars au salon de coiffure. Chaque mois, je dépense 50, voire 70 euros par mois. Et puis, ce que la coiffeuse a fait sur ma tête, dès que j'arrive à la maison, soit ça démange ou dès que je détache, mes cheveux tombent avec. J'ai donc décidé d'apprendre à me tresser moi-même et de faire mes économies. Cet argent-là, quand je pense que je dépensais avant 50 euros chaque mois pour me tresser ou 70 euros pour me tresser, quand on multiplie ça, ça fait beaucoup d'argent. En 12 mois, si vous dépensez 50 euros, vous pouvez un peu calculer combien ça fait en 12 mois. Ça fait beaucoup d'argent. Ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais me tresser moi seule et avoir un meilleur rendu. Et mes cheveux ont aussi amélioré. Mes cheveux ont maintenant poussé sans se casser ou n'importe comment. Et ça m'a permis aussi de faire des économies énormes. Voilà. Voilà un peu des petits trucs sur lesquels j'ai pu vraiment économiser, quoi. Des petits trucs personnels, par exemple, aussi faire mes produits de beauté. Moi-même, comme je vous présente sur ma chaîne, ce sont des produits de beauté que je fais moi-même et que j'utilise. Ces gels douche que je confectionne, je les fais toutes seules et je les utilise. Ces crèmes de toilette, ces masques, et puis
j'ai une peau rayonnante et éclatante et pleine de vie. Parce que ces produits, je les fais moi-même, je sais ce que je mets dans mes produits et ces produits vraiment merdent. Et en plus, j'économise. Parce qu'en achetant un lait de toilette ici, un lait de toilette seulement, quand tu vas dans les supermarchés normaux, un lait de toilette, ça peut te revenir dans les 30 à 40 euros. Quand tu vas dans nos boutiques africaines aussi, ça te revient aussi un peu plus cher, quoi. Donc, imaginez un peu que moi-même, je fabrique mes produits de beauté. Moi-même, je fabrique mes produits de toilette. Et puis, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait vraiment économiser. Et puis, ça me permet d'épargner cet argent-là. Et j'avance en le faisant aussi comme ça. Bonsoir, bonsoir, Alphonsine, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le live. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Attendez un instant, je ne vous suis pas, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas, Dada. Ça va maintenant? Voilà, ça c'est un poste vraiment qui m'a permis vraiment d'épargner, qui m'a permis de faire des économies et qui m'a permis vraiment de faire quelque chose avec cet argent-là parce que quand je compte combien j'ai épargné par an et puis ces épargnes que j'ai pu le faire juste en me faisant maîtresse moi-même et mes cheveux ont poussé en fabriquant mes produits de beauté toute seule et ça m'a permis vraiment de faire d'énormes économies. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler aussi des postes des dépenses que nous avons ici en Europe. Par exemple, nous savons que le loyer fait partie des plus gros postes de dépenses que nous avons ici en Occident. Si par exemple quelqu'un est étudiant, même quand tu finis tes études et tu as gardé ta chambre d'étudiant, ça va te permettre d'économiser. Moi, c'est ce que je conseille à tout étudiant ici. Faut pas quitter de ta chambre d'étudiant juste parce que tu viens de trouver le travail. Si tu as trouvé le travail dans la même ville où tu as étudié, reste dans ta chambre d'étudiant pendant au moins 2 ans encore pour te permettre d'épargner et pour avoir un capital pour te lancer dans la vie active demain. Parce que ce capital que tu vas épargner peut-être pendant 2 ans, ça va te permettre de t'acheter ton premier bien immobilier, ça va te permettre de t'acheter peut-être un terrain au pays, ça va te permettre d'avancer, quoi. Donc, je conseille vraiment à toute personne qui est étudiante de rester dans sa chambre d'étudiant. Au cas contraire, où vous avez trouvé le travail dans une ville plus loin que votre université, que l'endroit où vous avez étudié, alors partez en banlieue. Ne restez pas dans les grandes villes. Partez en banlieue parce qu'en banlieue, le loyer est plus moins cher. Et puis aussi, il y a aussi ce mode que vous pouvez aussi faire pour économiser, c'est de favoriser la colocation. Vous pouvez prendre un appartement. Vous habitez dans un appartement de 2 chambres, vous prenez ça à 2 et puis si le loyer coûte 1000 euros par mois, vous pouvez le diviser en 2. Ça va faire que vous payez juste 500 euros le mois avec charges compris. Mais vous allez épargner ces autres 500 euros parce que vous habitez avec une autre personne. Imaginez 500 euros fois 12, ça fait beaucoup d'épargne que vous avez investi et cet argent-là peut vous servir demain. Faites même ces 500 euros-là peut-être pas. Passez le temps que vous travaillez, que vous y économisez. Si vous avez aussi une copine et que votre copine vit déjà avec vous, vous pouvez aussi mélanger ses charges et puis vous le divisez aussi en 2. Et puis, ça va vous permettre d'économiser pour vous lancer dans la vie active pour votre avenir, quoi. Comme deuxième poste de dépenses aussi, qui... Ici en Europe, vraiment, est très, 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 très important, c'est le transport. Je m'explique, quand je parle du transport, moi, je parle toujours de ceux qui sont étudiants et de ceux qui
peuvent vraiment encore économiser pour s'en sortir. Pour ceux qui sont étudiants, par exemple, dès que vous finissez de travailler ou bien pendant même que vous êtes encore étudiant, vous n'avez pas besoin de prendre une voiture. Vous n'avez pas besoin de prendre une voiture parce que la voiture est une très, très grande consommation parce que la voiture s'entretient. Vous devez payer l'assurance, vous devez aller chez le mécanicien, vous devez payer l'essence, vous devez payer tout ce qui est autour de tout ça. Vous devez être capable de le payer. Alors, pour éviter tout ça, il y a des transports en commun qui sont là. Vous pouvez vous acheter une carte annuelle ou bien une carte pour l'année que vous allez utiliser pendant toute l'année et ça va vous servir aussi pour... Ça va vous permettre d'économiser, quoi. Au lieu de prendre une voiture, vous allez payer l'essence. Parce que je prends l'exemple sur nous ici. On a des moyens de transport ici en Allemagne qui sont très faciles et vraiment très bien, quoi. Au lieu de prendre deux voitures, on préfère prendre une voiture ou bien même se déplacer avec les moyens de transport communs. Et là, on dépense moins d'argent et on dépense aussi, on protège aussi l'environnement. Parce que plus il y a de voitures, plus on pollue l'air. Plus il y a de transports en commun, moins l'air est pollué et on dépense moins d'argent. Voilà aussi un poste sur lequel vraiment j'attire vraiment votre attention si vous pouvez vraiment économiser et prendre les transports en commun. Si vous voulez, par exemple, porter un frigo, vous pouvez louer peut-être une voiture. Il y a des voitures qu'on loue. Vous pouvez louer cette voiture par heure et puis vous faites votre déplacement pour porter vos appareils, pour porter tout ce que vous avez. Vous pouvez faire votre déplacement avec vous porter. Ça va vous permettre vraiment d'économiser et d'investir avec cet argent pour d'autres choses qui seront plus importantes pour vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le direct qui veut intervenir, qui a un mot à dire. Je vais allumer le micro pour que vous puissiez intervenir dans le direct. Un instant, je vais activer juste le micro pour que vous puissiez y intervenir. S'il vous plaît, la connexion dérange un peu. La connexion dérange un peu de mon côté. Un instant pour que je rétablisse la connexion. Oui, tu vas mettre le micro. Je vais mettre le microphone. Il est activé, même. Pas d'acquis, c'est pas d'acquis actif. Activez vos microphones, s'il vous plaît. Dada, s'il te plaît, active ton microphone. Il faut allumer ton microphone. Voilà. Maintenant, tu peux parler. Tu peux donner ton point de vue. Tu peux me dire ce que tu en penses. Pierrette, active ton microphone. Sidonie, activez votre microphone, s'il vous plaît. Je ne sais pas moi, ça me dit, c'est impossible de parler. Je ne sais pas pourquoi je ne vous entends pas, mais c'est vous qui devez activer vos microphones vous-même. Bon, on va continuer. Là, j'étais en train de parler du transport. Je pense que j'ai fini avec le point du transport en commun.
Là, mets, active ton téléphone et tu mets le volume. Mets le volume sur ton téléphone. Je pense que c'est ton téléphone qui n'a pas de volume parce que moi, je n'entends pas quand tu parles. Voilà. On va continuer la vidéo comme ça. Par exemple, pour faire les achats, il faut éviter les achats à la surconsommation. Les achats dont vous n'avez pas besoin, il faut éviter de faire ce genre d'achat-là. Surtout, éviter d'aller aussi dans les supermarchés quand on a faim. Parce que quand on a faim, on n'est pas concentré et tout ce qu'on voit, on a envie de le manger. On pense qu'on a vraiment besoin de ces choses-là. Pourtant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, vraiment, éviter d'aller dans les supermarchés quand on a faim. Éviter d'aller faire les achats quand on a faim. Éviter d'acheter ce qu'on n'a pas besoin. Si, par exemple, vous allez au supermarché, vous dites que, OK, je vais faire les achats pour le mois aujourd'hui. Alors, il faut faire une liste avant de sortir de votre maison et il faut regarder tout ce dont vous avez besoin avant de sortir de la maison et regarder aussi vos armoires. Si vos armoires, notez ce que vous n'avez plus et notez ce que vous avez vraiment besoin de prendre et vous prenez juste ce que vous avez besoin de prendre et sortir. Et surtout, allez aussi faire des achats quand il y a aussi des soldes. Et il faut bien vérifier que ces soldes-là sont vraiment des soldes. Parce qu'il y a des magasins, vous entrez, on vous dit que ce sont les soldes, pourtant ce ne sont pas des soldes. C'est des prix qu'ils avaient depuis. Ils ont peut-être changé la position de cet aliment, la position de ce truc. Vous vous dites que oui, ça a les soldes. Pourtant, il n'y a pas de soldes dessus. Ça, il faut toujours bien vérifier. Et même si c'est possible, même de comparaître les prix dans d'autres magasins aussi. Si vous voulez, par exemple, aller à Lidl, allez à Lidl si vous trouvez qu'un produit est trop cher là-bas. Allez aussi à Aldi, vous regardez aussi ce produit pour voir si ces produits ont le même prix, quoi. Et quand vous allez faire comme ça, vous allez vous rendre compte que vous avez épargné. Allô, Da? Oui. Voilà, maintenant tu me suis, c'est bien, la connexion est revenue. Oui. Voilà. Maintenant tu peux intervenir dans le direct. On a déjà parlé du loyer. Je ne sais pas si tu as quelques astuces à nous proposer, quelques conseils à nous donner sur le loyer, le transport et puis les achats. Non, je suis désolée parce que je suis arrivée un peu tard, non, donc je n'ai pas bien suivi ce que... Mais c'est intéressant, ces arguments-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. La prochaine fois, je pourrais vraiment intervenir. Cette fois-ci, je ne suis pas... Il y a encore beaucoup d'autres arguments là sur lesquels on va parler. Ce n'est pas encore fini. Donc, reste connecté. Oui, j'ai écouté. Voilà. Je disais, par exemple, sur la mode. Il ne faut pas, par exemple, suivre la mode parce qu'en suivant la mode, ça nous fait, on dépense plus que ce qu'on en a vraiment besoin. Il faut acheter le nécessaire. Et il faut choisir le moment auquel
on doit faire ces achats-là. Il faut choisir vraiment le bon moment pour faire ces achats. Parce que nous, les femmes, par exemple, on suit toujours la mode. On se dit, oui, comme j'ai vu telle personne a un sac d'outils, moi aussi, je dois avoir ce sac d'outils. Alors que sur le marché, il y a plein d'autres sacs qui ne sont pas d'outils, mais qui sont tout aussi beaux et bien et durables. Moi, par exemple, je préfère acheter un article de bonne qualité qui va me mettre longtemps au lieu d'acheter plusieurs articles de 20 euros, de 15 euros que je vais porter peut-être 2-3 fois. Après, ça va se déchirer, ça va me plaire. Donc, je préfère vraiment investir sur la bonne qualité et la qualité durable, quoi. Donc, c'est vrai, c'est... Ce que tu en penses sur ce point, vraiment... Oui. Oui, c'est juste, vu que si tu investis, quand tu dépenses aussi peu, il y a la forte probabilité que c'est peut-être la matière première n'est pas très bonne. C'est oui. Un peu ça. Oui. Et c'est toujours bien de vraiment de bien observer tout article qu'on achète. Oui. Même aussi avec les soldes, il faut faire vraiment attention, comme tu dis. Oui. À propos des soldes, c'est un constat que moi-même j'ai fait. Et puis, je pense que je ferai une vidéo pour parler dessus, vraiment entrer un peu plus dans les détails. Parce qu'il y a des moments où tu vas dans un magasin, au mois de janvier, ils te disent que ce sont les soldes. Le même article que tu as vu en décembre, ça coûtait 15 euros. En janvier, tu viens, tu retrouves le même article dans un autre endroit différent du magasin, toujours à 15 euros. Donc, parfois, ils changent juste la position où ils ont déposé la marchandise et ça nous trompe, quoi. Quand on voit, on se dit, ah ouais, donc, c'est comme ça, pourtant, c'est faux. Oui, justement, Pour même les soldes, là, il faut toujours savoir le prix vraiment, le premier prix du départ, oui. Voilà. Le prix initial. Du départ. Et puis, bon, quand ils mettent, ici en Italie, parfois ils font ça, ils te mettent un pourcentage. Oui. Oh, c'était presque le prix du départ. Voilà. Il faut vraiment être vigilant dessus. Oui, il faut vraiment faire attention. Voilà. Voilà. Un autre point aussi qui me tenait vraiment en tête, c'est des cartes de crédit. Les cartes de crédit, vraiment, ces cartes de crédit sont vraiment très, très trompeuses parce qu'au fur et à mesure que le temps passe et quand les banques, je ne sais pas comment ils font pour contrôler dans leur système, quand ils voient que tu as un peu d'argent, ils t'envoient les cartes, ils te disent que tu peux prendre un crédit jusqu'à 3 000 euros, jusqu'à 30 000 euros et le taux d'intérêt sera bas. Pourtant, c'est faux. Quand tu vas venir prendre le crédit, à chaque fois que tu prends, par exemple, les crédits à la consommation, il y a des gens qui prennent, par exemple, des crédits pour aller se marier. Moi, ce genre de crédit, vraiment, ce sont des crédits à bannir. C'est des erreurs fatales que quelqu'un ne doit pas faire. Prendre un crédit pour aller faire un mariage. Prendre un crédit pour aller acheter une chaussure. Prendre un crédit pour aller acheter un sac. Ça, ce sont des erreurs vraiment qu'on ne doit pas faire. Et ces cartes-là sont très trompeuses parce que quand tu vois que tu as 3 000 euros à ta disponibilité dans ces cartes de crédit-là, tu vas te dire, ah, j'ai l'argent là, mais je peux prendre. Mais ce qu'on ignore, c'est que au fur et à mesure de prendre ce genre de crédit à la consommation, quand tu auras vraiment besoin d'un vrai crédit, par exemple pour acheter un bien immobilier ou bien pour faire quelque chose de bon de ta vie, tu seras bloqué parce que tu as beaucoup de petits crédits à la consommation qui sont là et tu ne pourras pas avoir vraiment ce crédit qui peut te faire évoluer, quoi, qui peut te faire avancer. Ce sont vraiment des petits pièges qu'on doit éviter. Utiliser les cartes de crédit. Moi, ce que je fais, c'est que chaque fin du mois, quand j'ai ma paye, je retire tout ce dont j'ai besoin pour ma ration, pour ma distraction, mon argent de poche. Je retire tout ça et puis je mets de côté. Et le reste, je n'utilise pas de carte de crédit. Je n'utilise pas de carte bancaire. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas dans le magasin, tu as la carte, c'est facile pour toi de dépenser sans te rendre compte. Mais quand tu as ton argent barre,
Et puis, tu sais déjà qu'à ce niveau, je ne dois pas dépenser ce que j'ai pris pour mes hobbies, pour ma distraction. Je ne dois pas dépasser ça. Et ça te pousse à épargner, quoi. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Tu sais, vraiment éviter des cartes de crédit. Éviter de prendre les crédits à la consommation. Les crédits qui ne nous servent à rien, mais qui va nous pourrir la vie bien après, quoi. Et après, pour rembourser, parfois, ce genre de crédit, c'est difficile. Et ça nous bloque vraiment quand on a des gros projets à faire, quand on veut vraiment investir, on se retrouve bloqué par rapport à ça. Voilà. Anche Bruxelles Airlines va. Lo guardo, forse anche Bruxelles. Mi fa male un po' il braccio. Allô? Oui. Madame Sidonie, vous voulez intervenir sur un point là? Vous pouvez intervenir, hein? Le micro est ouvert. Vous pouvez intervenir, donner votre point de vue. Et si vous avez quelques conseils et astuces à partager avec on vous écoute. Madame Sidonie. Je n'ai pas grand-chose à dire. Un seul conseil que je peux donner aux femmes, quand vous entrez dans un magasin, si quelque chose vous plaît, ne l'achetez pas tout de suite. Regardez, une astuce, c'est que vous le regardez bien et vous rentrez à la maison. Si vous repensez à la maison plusieurs fois, vous analysez le prix, vous repensez plusieurs fois. Si cet article vous plaît, vous ne voulez pas acheter, vous allez dans ce magasin avec votre porte-monnaie, vous sortez de l'argent, vous remettez l'argent dans votre sac à main et vous sortez, vous partez. Économiser. Et vous allez voir ce que vous avez économisé. Voilà une astuce. Comment vous pouvez réussir à faire ce genre d'astuces, Madame Sidonie? Vous vous privez là. Vous vous privez C'est une astuce pour économiser. Vous voyez ces chaussures-là et vous avez porté ces chaussures dans votre tête, quoi. Et Mais. vous oui, vous sortez bien de l'argent. Vous arrivez dans la boutique, vous sortez de l'argent. Vous regardez cet article. Vous remettez l'argent dans votre porte-monnaie à la maison. Voilà une astuce pour économiser, Madame Jackie. Voilà. Ça alors, On là, c'est est... la toute première fois d'entendre ce genre d'astuce. En tout cas, je vais essayer de mettre ça un peu, Il faut mettre ça en pratique. Vous allez voir que c'est une grande façon d'économiser. Oui, tu as, oui, tu fais content tes yeux. C'est-à-dire, l'œil a déjà vu sa part. La partie des yeux a déjà fait son rôle. Vraiment, c'est une astuce wonderful. En tout cas, on va essayer. Faut essayer, ça ne vous coûte rien. On Vous apprend tous ne perdez rien, au contraire, vous gagnez. les jours. C'est ça. On apprend tous les jours. Comme il y a des gens
qui disent toujours qu'ils ont déjà fait tous les pays du monde entier dans leur tête, quoi. Donc, ils connaissent tous les pays du monde entier, mais c'est dans leur tête. Donc, ça aussi, c'est une astuce aussi pour connaître les pays, pour voyager. Donc, on va essayer. On va mettre en pratique ce que vous avez dit. Et ça va vraiment nous permettre d'économiser, hein. C'est vrai. Bien sûr. Comme un autre point aussi que je trouve vraiment important, c'est que il faut faire les vacances. Vous pouvez faire toujours les vacances même dans votre maison, hein. C'est-à-dire, toi, tu es en Italie et puis tu es en Allemagne, tu dessines le Vatican sur ton mur. Tu arrives en Italie sans décoller. C'est toujours un voyage. C'est toujours une astuce pour économiser. Ouais, c'est vrai, et tu voyages dans ta tête. Tu vois, j'étais assise sur toi, mais dans ta tête. Voilà, c'est une astuce toujours, hein. Oh my God. Tu, Madame Sidonie, ce soir, vraiment, vous avez des astuces, vraiment. On voyage dans la tête, on va en vacances dans la tête. C'est grave. Madame Jackie, si vous faites les astuces que je vous donne là, vous allez économiser toute la vie. Impossible de pas camouler. Ce sont les astuces. On va essayer vos astuces à Madame Sidonie. Franchement, je disais, les vacances sont très importantes dans la vie. Hein. Les vacances sont très importantes. Il faut économiser pour pouvoir aussi aller en vacances, pour pouvoir vous offrir des belles vacances, pour pouvoir relaxer. Parce que quand on va en vacances, ça nous permet d'évacuer le stress, ça nous permet de relaxer, de changer d'idée, de se divertir et de revenir encore plus frais et plus fort pour recommencer la vie du quotidien, quoi. Donc, c'est un mois de vacances que vous avez ou bien c'est 20 jours de vacances que vous avez par an. Ce sont vraiment des vacances qu'il faut utiliser. Ce sont vraiment du temps qu'il faut utiliser pour se divertir. Parce que moi, je vois par exemple les Allemands ici, là, ils travaillent toute l'année. Mais quand c'est le moment des vacances, un Allemand est prêt à sortir 100 000 euros pour aller faire le tour du monde. 100 000 euros pour aller se promener, pour aller se divertir, changer d'idée. Vraiment, on doit aussi copier ces bonnes habitudes des gens chez qui où nous vivons, quoi. Nous devons copier ces bonnes habitudes-là. Parce que nous, les Africains, par exemple, on se dit toujours que non, c'est en Afrique qu'on fait des meilleures vacances. C'est en Afrique qu'on va, on va en vacances. Pourtant, on n'est pas en vacances quand on est en Afrique. Hein. On monte, on descend, on ne se repose pas. Des bonnes vacances, il faut se préparer, il faut acheter des billets d'avion longtemps à l'avance, il faut mettre l'argent de côté pour ça. Vous allez aussi en mer, on vous masse, vous prenez aussi des hôtels 5 étoiles où il y a le zona, il y a tout, vous vous couchez aussi, on vous masse, vous vous levez, vous partez manger, vous revenez dormir, c'est ça. Il y a tout, ça en Afrique, hein. Oui, il y a tout en Afrique, mais nous, quand on quitte d'ici, on va... On a notre façon de faire nos vacances à nous. Oui, mais ça, ce ne sont pas des vacances. On va en Afrique, on marche, on court. Mais bien sûr, c'est toujours les vacances. Non, pour moi, ça, ce ne sont pas des vacances. Pour moi, mes vacances, c'est d'aller en Afrique et me promener tous les jours. Wonderful. Voilà mes vacances. Non, je ne supporte pas rester au lit. Tu t'es diverti à aller en Afrique. Je me divertis quand je marche. Voilà, je me divertis quand je marche. La joie de voir tes personnes, c'est déjà. La joie de voir mes personnes, de marcher, de me promener. Je ne me divertis pas quand je reste sur place. Oui. Je ne supporte pas rester sur place, je ne supporte pas rester dans le lit.
Je ne supporte pas rester sur les chaises du, au bord de la piscine, au bord de la mer. Je ne supporte pas. C'est vrai. Chacun a sa façon de faire ses vacances. C'est donc, vacances. Mes vacances, c'est d'aller dans les bars du Quad. Wow. Dans les bars du quartier, prendre un pot avec les amis et passer des bons, écouter les nouvelles du quartier, écouter les nouvelles du pays. Voilà. Voilà, voilà mes vacances. Ouais. Je m'ennuie pas. Si je vais au bord de la mer, je regarde la mer, je m'ennuie. Tu vas t'ennuyer. Ouais. Et puis, on économise aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, comme j'ai dit, les vacances, c'est chacun qui le définit à sa manière. Voilà. C'est bon. Donc, c'est un sujet très, très diversifié. Si on commence à. Très ouvert. Oui, on ne va pas trouver de solution pour ça. Il y a aussi des gens qui disent que pour eux, les vacances, c'est rester chez lui, se coucher sur son lit, dormir toute la journée, se réveiller, manger, dormir. Oui, oui, il y a des personnes comme ça. C'est... Oui. Il y a des personnes comme ça, là. C'est ça. Mes vacances, c'est de sortir, avoir un peu de paix. Donc, sortir de chez moi, aller vraiment avoir la... changer le quotidien, disons, changer le quotidien. Voilà. Voilà, ce sont mes vacances. De mon côté aussi, ça, ce sont les vacances. Sortir, voyager, prendre l'avion, aller quelque part aussi. Me sentir aussi ailleurs, ne pas me réveiller tous les jours préparé. Non. Voilà. On me donne les manches. On s'occupe aussi de moi. Voilà. Les vacances. J'ai un peu ma paix aussi, j'ai un peu ma tranquillité. Tranquillité. Voilà. Il y a aussi un autre thème vraiment que un autre point quoi. Comment organiser un événement et comment épargner pour organiser un événement. Par exemple, il y a des gens qui prennent des gros crédits pour aller se marier. Moi vraiment, je dis ça c'est erreur fatale parce que toi en tant que jeune qui est au début de ta vie. Ce n'est pas bien de prendre un crédit à la consommation juste parce que tu veux aller te marier et tu prends le crédit pour le faire. Il faut épargner, économiser ton argent longtemps à l'avance. Tu peux, par exemple, commencer à économiser même peut-être 3 ans ou 4 ans à l'avance quand tu sais que tu vas te marier. Tu économises. Moi, je prends l'exemple ici. On a un ami, un Allemand. Lui, il s'est marié un mardi. Vous savez pourquoi il s'est marié un mardi? Parce que le mardi, la mairie, pour se marier, ça coûte moitié prix. Les hôtels pour louer, c'est le quart du prix. Si on loue l'hôtel le samedi et le vendredi, par exemple, on loue la salle où il a fait son mariage à 17 000 euros le vendredi. Le samedi, on loue ça encore peut-être à 20 000 euros. Et puis le mardi, comme il a fait, il a payé juste 1 000 euros pour louer la salle-là. Pour le mardi et la salle était toujours la même salle qu'il pouvait aussi louer le samedi mais payer peut-être 20 000 euros plus cher. Mais il a pu économiser sur ça parce qu'il a fait son mariage plutôt le mardi et il n'a pas payé la mairie. Il était très malin. Voilà. Parce que s'il fait en semaine comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura même pas déjà beaucoup de gens. Non. Donc c'est déjà limité. Oui. Et tes vraies personnes vont assister. Ceux qui t'aiment vraiment et qui te connaissent vont assister. Ils vont au moins prendre un jour pour venir t'assister parce que c'est le jour de ton jour. Donc, oui. Et puis quand on fait un mariage, on n'a pas besoin d'inviter 1000 personnes, 500 personnes. Et on fête. Après le lendemain, il n'y a plus rien pour manger. Après le lendemain, il n'y a pas où dormir. C'est normal. La vie doit continuer après le mariage. Mais il y a des jeunes encore qui font ces erreurs-là de prendre des crédits pour aller se marier, de prendre des crédits pour aller faire des grosses fêtes, pour aller louer des salles parce qu'on a vu Coco Emilia se marier comme ça. On va aller se marier comme ça. On a vu telle influenceuse a fait ça.
on va aussi aller faire. Pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment bien et qui nous empêchent d'évoluer, quoi. Parce qu'avec cet argent, on a mis 30 000 euros pour un mariage. Ces 30 000 euros, ils pouvaient juste faire un mariage de 30 000 euros et enlever 20 000 euros pour épargner, pour s'offrir son bien immobilier. C'est vrai. Donc, je trouve vraiment que ça, ce sont des dépenses qu'on peut vraiment économiser là-dessus. Au lieu de se marier le samedi, on peut prendre un jour en semaine, on se marie. Oui. On va la salle, c'est une très bonne idée. Oui, 4 fois plus moins cher. Au lieu de, par exemple, prendre, comme on fait chez nous en Afrique, même ici en Occident, moi j'ai assisté à un mariage en Italie. Après le mariage, tout le monde est tombé malade. On a opéré même certains, certains ont failli perdre la vie. Parce qu'on a commencé à préparer 2 jours avant. On fatigue les gens, pourtant on pouvait prendre le service traiteur. Le service traiteur, ils connaissent les lois, ils connaissent comment conserver la nourriture, ils connaissent comment garder pour que les choses ne se gâtent pas. Mais quand chacun vient mettre sa main, on dit « Ah, c'est la famille, on ne peut pas prendre un service traiteur ». Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'en préparant nous-mêmes de un, vous les mariez là vous-même. Vous n'allez pas avoir le temps de vraiment profiter de votre mariage parce que vous serez à gauche, à droite en train de courir. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un suivi. Mais quand vous confiez votre argent déjà au service traiteur, le service traiteur, vous signez les papiers, vous faites un contrat, il sait qu'il doit vous livrer comme ça, et puis la nourriture est sûre. Si vous arrive quelque chose, vous pouvez porter plainte au service traiteur. Mais quand c'est vous-même qui préparez tout à la maison, vous préparez tout le jour de 2 jours avant la fête, les gens arrivent à la fête, ils n'ont pas le temps de profiter de la fête parce qu'ils sont tous fatigués, ils sont tous nerveux. Et puis, c'est vraiment des trucs sur lesquels, quand on veut organiser un bon événement, on doit vraiment prendre en compte. Par exemple, ce mariage où j'ai assisté en Italie, où les gens étaient malades, vraiment, j'ai vu le gâteau de mariage. On a apporté le gâteau de mariage à 19h. Le gâteau de mariage était exposé. Pourtant, ça devait être au frigo. Si c'était un service traiteur qui l'avait fait, il devait s'assurer d'apporter le gâteau de mariage juste au moment de faire la coupure du gâteau et de le manger. Et ça allait éviter que les gens soient malades comme ça. Parce qu'après, c'est pas bien que tu fais un mariage. Après, les gens rentrent chez eux, ils tombent malades. Tu apprends que d'autres ont opéré, d'autres ont eu les gastro, d'autres ont eu des terribles maux de ventre. C'est déplorable. Vraiment, on doit changer notre mentalité en tant qu'Africain et de copier le bon exemple. Et de copier le bon exemple. On doit changer ça et apprendre à copier le bon exemple. Voilà. Le DJ aussi. Pendant un événement aussi, on peut épargner aussi sur le DJ. Parce que la musique que le DJ va vous mettre le jour de votre mariage, un DJ coûte peut-être 2000 euros seulement pour venir mettre la musique 2 heures, 3 heures lors de votre événement. Vous pouvez prendre un DJ qui est étudiant ou bien un DJ qui est encore dans ses débuts. Vous allez le payer moins, mais il va vous fournir aussi de la bonne musique parce qu'il veut aussi se faire connaître. Il va s'appliquer pour que votre événement soit bien. Et vous allez gagner. Et le DJ aussi va gagner. Il aura sa célébrité, sa popularité. S'il fait bien son mariage, s'il fait bien votre mariage, vous allez le recommander aussi à vos amis qui ont des événements et autres. Donc, c'est aussi un poste sur lequel il faut épargner. Et en même temps, ça permet aussi de soutenir le nouveau entrepreneur qui se lance dans cette aventure de DJ, quoi. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau pour les événements. Voilà. Voilà aussi un poste vraiment sur lequel on peut vraiment épargner, on peut vraiment faire beaucoup d'efforts aussi. Et puis, ce sont des choses vraiment qui aident, quoi. Voilà. Comme un poste aussi sur lequel on peut vraiment épargner, vraiment réfléchir avant d'acheter, faire des recherches, comparer les prix de tout, comparer les prix. Vraiment faire des recherches avant de pouvoir acheter. Par exemple, quand tu as un projet d'aller peut-être au Cameroun,
tu peux commencer à chercher tes billets d'avion dans les différents sites. Il y a des sites, par exemple, comme comparateur des billets, billets moins chers, comment payer des billets en tranche. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de comparateurs de prix et aussi les last minute que tu peux aussi te connecter pour chercher chaque fois. Il faut te connecter aussi. Et puis, il y a des heures auxquelles tu peux acheter un billet d'avion moins cher. Et puis, il y a des jours où tu peux voyager et les mois aussi où tu peux voyager pour trouver des billets d'avion moins chers. Par exemple, comme le mois de février, mars, avril, janvier, février, mars, avril, ces trois mois-là vraiment sont bien pour voyager parce que vous allez avoir des billets vraiment à prix réduit. Si un billet d'avion coûte 900 euros au mois de mai, ou bien au mois de juin, au mois d'avril, ce même billet d'avion peut vous revenir à 500 euros ou à 400 euros. Et ça va vous permettre d'économiser un autre 500 euros ou 400 euros. Et puis, ce n'est pas petit, quoi. Vous pouvez économiser. Et puis, il y a des jours aussi que quand vous voulez voyager, par exemple, un jour comme le mardi, le mercredi, les billets d'avion sont moins chers ces jours-là parce que beaucoup de gens ne voyagent pas ces jours-là. Mais si vous achetez déjà un billet d'avion à partir du vendredi, samedi, dimanche, les billets sont 2-3 fois plus chers. Donc, achetez vos billets d'avion pendant les périodes où ce ne sont pas les périodes des vacances, où ce ne sont pas les jours qui tirent à l'approche des week-ends, quoi. Si vous achetez vos billets d'avion ces jours-là, vous allez vraiment acheter vos billets moins chers. Moi, par exemple, quand je viens en Italie, si je viens en avion, moi, je m'achetais le billet d'avion un vendredi ou bien un mercredi. Quand je prends un billet d'avion le mercredi, je sais que, OK, si le vendredi, le même billet d'avion là m'a coûté 200 euros, le mercredi, quand je voyage, là, le même billet d'avion va me coûter 100 euros. Vous voyez le prix de la distance. Ça te permet déjà d'économiser 100 euros. Avec ces 100 euros, là, tu peux acheter des petits cadeaux, ton argent de poche. Tu vois, et puis ça te permet d'économiser et d'avoir de bonnes vacances, de visiter la famille et d'être aussi, de changer d'air, quoi. Voilà des petites économies que nous pouvons vraiment faire et qui vont faire du bien à notre santé financière. Parce que quand on est épanoui, ça passe aussi par ce que nous avons dans nos poches. Pour vivre aussi bien, il faut aussi avoir quelque chose. Il faut savoir vraiment épargner et faire des économies sur ces petits points que parfois nous simplifions. Mais à la fin, quand on additionne tout ça ou on multiplie tout ce qu'on a pu épargner en un an, ça te fait vraiment que tu as épargné beaucoup. Par exemple, moi, au travail, je ne bois pas le café parce qu'il y a la machine à café. Là, on fait le café. Un café, ça coûte déjà 2 euros. Si tu bois 2 par jour, c'est 4 euros. Si tu bois 3 par jour, c'est 6 euros. Moi, je préfère faire mon café à la maison et puis je mets ça dans mon thermos. Au travail, si j'ai envie de boire le café ou si je me sens fatiguée, je prends mon café, je bois et je sais ce que je bois. Et c'est plus moins cher et je sais ce que je bois parce que c'est moi qui le fais. Voilà, et voilà, ça me permet vraiment de faire des économies de cette manière-là. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce live aujourd'hui. Mm-hmm. Comment faire des économies et comment s'en sortir sans se priver. Voilà, mm-hmm. J'espère que ce live vous a édifié et que vous allez mettre ces quelques petits conseils en pratique et que ça va vous aider à épargner pour avoir une vie plus paisible et plus sereine. Voilà, mes chers frères et sœurs, mes glamour, c'était tout pour ce live. N'hésitez pas à aller en page, de rester touché et de partager pour me soutenir. Surtout, je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres astuces. Ou d'autres lives que je ferai constamment, soit le samedi ou le vendredi soir. On va choisir un jour, tout le monde a le temps, où on est moins fatigué pour faire souvent nos lives. Parce que là, aujourd'hui, je pense que le live a débuté un peu tard, à 20h30, et on est déjà un peu fatigué. Oui. Le live débutera peut-être à 19h. Et si vous avez d'autres heures à me suggérer auxquelles vous pouvez être prêt,
pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse faire le live. Suggérez-moi ces 16 heures en commentaire et puis je prendrai en considération pour qu'on puisse changer de temps en temps, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, de m'avoir soutenu. Surtout, restez connectés, car cette chaîne, c'est une chaîne de motivation. C'est une chaîne du bonheur. Ici, chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte dans cette chaîne. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres astuces. Surtout, restez en santé. Prenez soin de vous. Suivez vos rêves, car vos rêves vous connaissent le chemin. Et de gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'être là.